Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, je suis munie de ma chère couronne de maléfique, mais en fait, non, c'est juste un bandeau pour faire les masques, pour pas avoir les cheveux qui se collent dessus. Bref, si vous êtes une fille, vous connaissez ce problème. Donc, je vous annonce qu'on va faire un crash test de masque de cette marque-ci. Donc, c'est Loua by Laurence Dumont. Je ne sais pas qui c'est. Et c'est un masque en tissu pour le visage anti-imperfection au thé vert, sans parabène et sans phénoxyéthanol. Ça, c'est plutôt bien parce que le phénoxyéthanol, c'est l'ingrédient qui est toujours classé D, alerte rouge, mauvais pour le corps. Voilà, c'est pas bon dans. C'est une composition qui n'est pas bonne dans les ingrédients. Donc c'est parti, ils disent que qu'on peut l'utiliser, c'est un format pratique, utilisation express. Voyons voir s'ils disent autre chose. J'en sais pas plus. Zéro défaut sur ma peau. Bon, alors comme d'habitude, je me suis démaquillée, ma peau est propre, prête à pouvoir être masqué. J'ai regardé sur internet pour son prix. Alors il varie de 3,26 € à 3,95 €. Je vois même qu'il y a certains sites qui le vendent à 2,69 €. Donc on va faire une fourchette de prix, 2,50 € à 4 €. Voilà, ça englobe tout type de magasin, en ligne ou en boutique. Celui-ci, je l'ai acheté chez Leclerc. Je sais également qu'il est vendu sur Beauté Privée quand la marque est en vente privée, en vente exclue, et il me semble que je l'ai aussi vu sur d'autres sites. Vous pouvez le trouver facilement. Bref, ouverture facile juste ici, c'est parti. Ah non, avant je vous ai pas lu. Alors, soin express, Loua anti-imperfection, facile et fun. Ils disent qu'il y a 23 ml. Grâce à la magie du thé vert, champion des purifiants, ta peau est assainie et éclatante en 20 minutes chrono. En pour un masque express, je trouve que 20 minutes c'est long quand même. Bref, éviter contact avec les yeux, ne pas utiliser sur une peau irritée, tenir hors portée des enfants, ne pas avaler. En 1, pose le masque sur ton visage préalablement nettoyé et séché. 2, lisse le masque pour chasser les bulles d'air. Et 3, 20 minutes de pause, inutile de rincer. Ça, c'est cool les masques qui n'ont pas besoin d'être rincés. Par contre, ça me gêne que il vous tutoie dans la notice. Moi, j'aime pas. On n'est pas potes. On se connaît pas. Donc, les marques, arrêtez de tutoyer. Ça fait fun. Mais moi, je trouve que le vouvoiement, c'est très bien. Bref, c'est un autre débat. On va l'ouvrir. Ouverture facile, mais je galère un peu. Ah. Alors, côté parfum. Oh, ça sent rien, j'ai l'impression. De toute façon, le thé vert, je crois que ça n'a pas d'odeur particulière. Voilà. Non, je sens rien. Donc le masque est en carré. Très très imprégné par contre. Je le touche, je le sens, c'est très très humide. Alors comme d'habitude, je ne sais jamais dans quel sens ça se pose, mais on va bien trouver. Bon bah c'est parti. C'est assez froid. L'été, ça doit être hyper agréable à poser. Mais alors, l'hiver, c'est un peu glagla, quoi. Alors, je vous dis tout de suite, il va absolument pas tenir parce qu'il est tellement imprégné de produits qu'il glisse déjà. Alors, ça fait un peu même pas une minute que je l'ai sur moi. Bref, je vais arrêter de parler. C'est très, très inconfortable. Je vais mettre mon petit chrono. 20 minutes, je pense qu'en 20 minutes, je vais le remonter souvent. Regardez comment ça se décolle, j'ai l'impression de tenir là. Bref. Après, c'est pas un défaut, hein. C'est pas ça qui va recaler le masque, mais je trouve que c'est très chiant. Tout simplement. C'est parti, à tout à l'heure, voir si ça résiste, mais à mon avis, non.
20 minutes se sont écoulées. Je vais le masser un peu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Et comme il y a beaucoup de produits, et bien, il a glissé. Voilà. Donc, on va faire un petit bilan de ces 20 minutes. Il m'a légèrement picoté au début et il me picote légèrement aussi ici. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, à part ça, ça va. C'est bien passé. Le masque a des petits trous au niveau de la bouche, du nez et des yeux. Si vous avez un grand visage, ça va pas aller. Si vous avez une grosse bouche, vous pouvez plus. Moi, je pouvais plus parler après. Les yeux, c'est pareil. Si vous avez tout de grand sur votre corps, sur votre visage, bah, les trous sont petits. C'est pas agréable. Ça doit rentrer dans le. Non, je n'ose même pas imaginer. Donc, si vous avez un petit visage, ça va. Si vous avez un grand visage, avec une grande bouche, des grands yeux, un grand nez, non, ne testez pas. Il va être très désagréable. Une fois que j'ai massé, là, c'est tout collant. Oh, j'aime pas trop cette texture. J'espère que ça va disparaître au fur et à mesure. Bref, après, le produit est très, très imbibé. Donc, quand vous le posez, sensation fraîcheur instantanée, ça, c'est sûr. En hiver, j'aime pas. En été, on valide. Et surtout, j'ai absolument pas mis au frigo. Et qu'en plus, ma salle de bain où il était stocké n'est pas fraîche. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu autant de fraîcheur. Et cette fraîcheur reste jusqu'au bout du masque. Hein, même si ça s'estompe petit à petit, elle est quand même présente. Ensuite, j'ai voulu le replacer parce que du coup, il glisse vu qu'il est très très imbibé de produits. Je l'ai déchiré. Je l'ai un peu déchiré au niveau de l'œil parce que comme il glissait de mon œil, voilà. Donc ça, c'est un œil. Mais non, attendez. Oui. Ça, c'est un œil normal et ça, c'est moi qui l'ai déchiré. Voilà, fausse manip. Donc ce tissu est pas vraiment d'une qualité extraordinaire. Je dirais pas qu'elle est mauvaise parce que j'ai connu des masques plus fins que ça, mais voilà, faites attention si vous voulez le replacer parce qu'il glisse, vous pouvez le déchirer, donc ça c'est une mise en garde à prendre. Ensuite, là tout de suite anti-imperfection peut-être, j'en sais rien, c'est pas en un masque qu'on peut dire ce genre de choses, mais je peux vous dire qu'elle est hydratée, je trouve qu'elle est répulpée, et voilà. Après je pense que vous pouvez voir le soin anti-imperfection dans la durée. Si vous le faites régulièrement, peut-être deux fois par semaine, pas plus parce que si c'est vraiment des soins imperfections, c'est plutôt quelque chose d'asséchant pour la peau. Donc méfiez-vous quand même. Je vous ai pas parlé de ces ingrédients, comment ils étaient classés sur UFC que choisir. Je vous dis ça tout de suite. Mais j'ai vu qu'il était classé AAA, donc femme enceinte. Et hommes, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Donc, aucun risque identifié pour les femmes enceintes, pour les enfants et les adolescents. Mais on ne met pas des masques anti-imperfection et des masques tout court à des enfants. S'il vous plaît, protégez leur peau. Et aux adultes, pareil, aucun risque identifié. Il n'y a pas non plus d'allergènes, donc ce qui est plutôt pas mal. Et je regarde vraiment la composition et apparemment, il n'y a vraiment pas de... phénoxyéthanol. Voilà, donc ça c'est un bon point pour ce masque, au moins quelque chose qui le relève un peu dans sa note. Je vais le classer en bloc. Je suis pas déçue, je ne suis pas non plus enthousiaste. Je pense qu'on peut trouver mieux. Ouais, je pense qu'on peut largement trouver mieux. Je sais que j'en avais fait un de chez Sephora, mascoté vert, je sais plus trop ce qu'il donne. Je trouve qu'il a des points négatifs comme ces petits trous, trop imbibés de produits. Il glisse et il picote légèrement. Ensuite, dans les points positifs, c'est qu'il est très frais. Hein, donc ça, c'est très agréable pour les personnes qui recherchent ça. Il n'a pas d'odeur particulière. Juste au moment où vous l'ouvrez, après, ça s'estompe, on l'oublie. Voilà, après, je pense que c'est quand même des soins de qualité. Et si vous voulez un résultat probant tout de suite, non, jamais. De toute façon, tout ce qui est soin, vous ne verrez pas de miracle instantanément au bout de 20 minutes. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Je vais classer en bloc parce que même si je trouve qu'il a quelques défauts,
Ça reste un masque en tissu, c'est très agréable à appliquer. Il n'y a même pas de rinçage à faire, donc vous pénétrez dans la peau et puis c'est fini, vous jetez le masque et hop, au suivant, vous êtes tranquille, ça vous offre 20 minutes de relaxation et voilà, vous êtes tranquille avec ça. Ouais, il y a des bémols, mais bon, hein, on n'est pas parfait, le monde parfait n'existe pas. Voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu, on se dit à très bientôt, bisous à tous.